train de devenir mon voisin. D'ailleurs, je suis un bon voisin qui t'aide à déménager. Pourquoi as-tu voulu venir habiter ici? Because at first, me and Steph, we were new to the team, and then we go to a party, and Steph acts very, very crazy, and I think it's funny. So we go to the White, and Steph is he danced like Michael Jackson. He's a very good dancer, and he helped me move all my stuff. He's a very good guy. I'm very sad because before Stefan makes the French selection, we go to Val d'Isère, but now he can't come. I have to go with a lot of couples, so Jack, Sandy, James Le Keppa, and their girlfriends. But I still bring Steph with me. I take Steph, even though Steph don't come, he still comes skiing. When I'm in Val d'Isère, I take him to the nightclub, the discotheque, and I try and get some girl to I want a lot of a lot of kiss. Maybe with this photo, Steph might have some boy kiss as well, but I'm not too sure. But yeah, so Steph come Val d'Isère. Et je tiens à dire qu'il voulait faire un trou dans le mur, mais je pense pas que Monsieur Dumange soit très content et apprécie le fait qu'ils veulent faire un trou pour qu'on mette une porte. Stéphane, comment t'es venu la passion de rugby? Alors, à l'âge de 10 ans, j'ai commencé à Nuit Saint-Georges. En fait, mon frère a commencé le rugby à Beaune. Mais enfin, ça s'était mal passé et il a signé à Nuit Saint-Georges. Et j'ai voulu le suivre dans sa passion, donc j'ai commencé. Après, je suis resté jusqu'à l'âge de 16 ans. Là, j'ai quitté ma famille pour aller au Pôle Espoir de Dijon. Ensuite, après le bac, j'ai signé à Clermont-Ferrand. Et jusqu'à mes 23 ans, ou ma dernière année sport, où je suis venu à Nevers. Et toi, Mathis, tu peux nous expliquer un peu ton parcours? Je commence le rugby à 2 ans parce que mon père il a joué. J'ai joué la même équipe que mon frère. J'ai joué 4 ans professionnel en Nouvelle-Zélande. Après, je suis allé à Sale Sharks en Premiership anglais. 6 ans dernier, j'ai joué à Bristol Pro D2 anglais. J'ai signé à Colomiers en Pro D2. Ils sont 202. Mes parents aiment me voir jouer au rugby. Ils viennent quand c'est possible. Les voyages depuis la Nouvelle-Zélande est long. Mathis, si tu étais un animal. À Lyon, une marque de voiture. Volkswagen, comme les voitures de Lucin. Si tu étais de la nourriture. La cantine des Texilo. Si tu étais un préparateur physique. Dominique Lunardi. Si tu étais un acteur. Denzel Washington, un sportif. Usain Bolt, parce qu'il court vite. Si tu étais un joueur de Lucin. Solo Francis, il mange beaucoup de CFC. Tous les soirs avec Easy Colati. Son grosseur. Et toi, mec? Benoît Marfin pour son beau déguisement de panda et sa facilité pour se gérer à la musculation. Si tu étais une ville. Ibiza, beaucoup fête. Un super-héros. Batman parce qu'il vit la nuit et j'aurais Jack Smell sans Robin. Tu étais un joueur de rugby. Sonny Williams, c'est les mères, une boisson. Du vin du domaine Bonvalot. Un petit plat de ta maman. Rôti de porc avec pommes de terre. Et toi? De la tartiflette ou une crème brûlée. Donc, pour vous faire un aperçu des soirées avec Matty James, on va vous faire une petite danse. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Open Gangnam Style.